Salut à tous, c'est Ange Rouge. Aujourd'hui, je vous propose un mini tuto, non pas sur la construction comme à mon habitude, mais un tuto tout simple pour savoir comment il faut faire pour transformer un sim existant en sirène. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors déjà, vous avez plusieurs possibilités. Vous devez obtenir du varech sirénique, c'est-à-dire une algue que votre sim devra manger. Pour trouver ce varech, vous pouvez soit l'acheter dans la boutique de récompense contre 500 points. Et là, c'est vraiment simple, donc du coup, vous l'achetez, vous l'avez direct dans votre inventaire et votre sim n'a plus qu'à le manger. Vous pouvez également trouver le varech en plongeant, mais ça va vous coûter des simflouz parce que vous devrez d'abord acheter du matériel de plongée. Vous devez aussi avoir un certain niveau en fitness pour pouvoir faire de la plongée. Donc voilà, c'est un peu plus contraignant. Le moyen le plus rapide, à mon avis, pour trouver ce varech sirénique, c'est d'aller sur la partie de l'île où se trouve le volcan et la belle cascade. Et à cet endroit, vous avez une grotte que vous pouvez explorer. Enfin, vous ne pouvez pas vraiment suivre votre sim hein, qui part en exploration. Mais c'est à cet endroit qu'il peut trouver des trésors, et notamment du varech sirénique. Et si vous voulez créer une sirène, vous pouvez évidemment le faire directement à partir du Créer un sim, en cliquant sur le bouton Ajouter une créature. Ce tuto est à présent terminé, peut-être qu'il pourra vous aider si vous ne saviez pas comment faire pour transformer votre sim en sirène ou en triton. Merci d'avoir regardé, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, salut !